Une action au profit de la Ligue contre le cancer. Dimanche 24 mai, dans la commune de Mareuil, c'était le rendez-vous incontournable du week-end pour l'équadeur et motard du motoclub des éperviers de l'Artois. Plus de 200 motos sur la ligne de départ, ainsi qu'une cinquantaine de quads. Une réussite pour le président de l'association, Jérôme Caron. Les éperviers ont été créés il y a 6 ans, dû à une manifestation qu'on avait faite pour le Téléthon, malheureusement qui a dû être annulée à cause de la neige au mois de décembre. Donc avec mon frère et une équipe, on était une quinzaine, on a créé l'association les motoclubs des éperviers de l'Artois. Donc maintenant nous sommes arrivés à notre 6e balade. Au début on faisait tout le temps pour une association caritative, donc on a fait le Téléthon, on a fait la recherche contre le diabète, on a fait Sonio Calavino et là cette année on a fait pour le cancer. Donc là aujourd'hui, malheureusement avec le temps, on n'a pas eu de chance. On a quand même eu 257 motos ce matin au démarrage et on était une cinquantaine de quads. Donc tout s'est bien passé, une bonne journée. Maintenant, bon, on est rentré, il pleut plus, c'est le principal. Et le tout dans la convivialité. Si la Ligue contre le cancer ne vous dit pas grand-chose, piqûre de rappel avec Gérard Peset de la Fédération Pas-de-Calais. Nous avons trois missions essentielles. La première, c'est pour la recherche. La deuxième, c'est pour les personnes, notamment les enfants hospitalisés, même pour les handicapés, et d'être aux familles qui ont besoin d'une aide matérielle en secours. Et ensuite, nous avons des bénévoles qui font les hôpitaux du département, auxquels ils sont beaucoup accompagnés sur le Pas-de-Calais par un psychologue, il est là. Et je remercie quand même le club de Mareuil d'avoir fait penser à la Ligue pour venir en aide à tous ceux qui sont atteints pour cette maladie. Également de la partie, Cédric Fievé, grand pilote de la catégorie internationale Superbike en Belgique, pour qui l'événement tenait à cœur. L'année dernière, j'étais venu, j'étais accueilli les bras ouverts. Et forcément, des événements comme cela, on peut pas, en tant que pilote régional, on ne peut pas passer à côté. Surtout pour la bonne cause. Là, il travaille pour la Ligue du cancer. Après, à côté de ça, l'ambiance est super. On n'a pas eu forcément le beau temps aujourd'hui. Mais voilà, tout le monde est super sympa, super gentil. Et on ne peut pas passer à côté d'une journée comme ici, quoi. Après coup, les éclaircies ont repointé le bout de leur nez. Et pour la bonne ambiance, tombola et barbecue assurés, avec en bouquet final un petit concert de rock metal, de quoi bien se régaler.